Et coucou YouTube, j'espère que ça va, on se remet sur Zelda aujourd'hui. On a des sanctuaires à faire, on a des... Alors oui, il y avait des trucs aussi. Les challenges de saut de chute libre là. J'en ai fait qu'une, mais a priori je pense qu'il doit y en avoir d'autres, typiquement. On la distingue d'ici. On distingue quoi d'ici? Vous avez entendu, monsieur Link, une silhouette pareille à celle de la princesse aurait été... D'accord. Au revoir, Drudy. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver un petit peu du Zelda. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vois les... Là, c'était ce truc-là. Il faudrait trouver des îles célestes, un petit peu dans le même style. Bah, on en a une ici, typiquement. Oh là. Hop. Recharge-toi en bas. Et une autre. Pas ça. Mais bon, voilà, je pense que ça serait de bon temps d'essayer de compléter ne serait-ce que cette... Ah bah tiens. Ici. On va essayer de voir là-bas, tiens. Cette tenue, la tenue de chute libre là. J'espère que vous entendez pas trop le vibreur. Je me fais pas du bien, hein, j'ai le téléphone qui vibre. Alors, a priori, bah c'est par là. Oui, on voit. Ce goulet max. Est-ce que je l'ai battu? Ah ça y est, j'ai compris, merci Ayup. Waouh. Ça y est, j'ai pas les idées en face des trous aujourd'hui. Alors... Vaincu déjà. C'était un peu flippant. Les idées en face des trous. Ouais. C'est pas comme ça que vous dites, vous ? Donc oui, j'essaie pas d'aller en haut évidemment, normalement c'est le golem qui nous fera aller tout en haut. J'étais pas déjà allé sur un truc comme ça sans savoir ce que c'était. Ça me dit quelque chose. Alors, pour l'épreuve, c'est ici. En passant, l'épreuve du plongeon céleste. Ok. Un parcours d'essai. Tous les anneaux, il n'y a aucune limite de temps. Je suis pas allé sur un truc comme ça sans savoir ce que c'est. Non, mais là, précisément... Sur les trucs qui tournent là, les trucs un peu circulaires qui tournent. Et de l'épreuve de la bravoure. Ouais, du courage quoi. Oh putain, ça... Ça bouge. Ah! D'accord.
J'ai échoué. C'est donc un échec. Bah oui, reviens ici. Non, mais tu me parles autrement. Bon, il a dit s'il te plaît. Mais bon. Nous retirons la version bêta des moments de la communauté le 5 octobre avec un badge resteront disponibles. D'accord. C'était qu'un truc de version bêta, les moments. Je ne savais point. Voilà. Ah putain, c'est vrai, ça donne des sanctuaires. J'avais oublié. Il est où? Ah. Oui, ça vient. Je crois que c'est des bénédictions, on est d'accord? C'est bien parce que du coup, en même temps, on fait des sanctuaires, c'est bien. Ah! Non, c'est pas du tout une bénédiction. C'est pas... Non, non, non. C'est tout sauf une bénédiction, putain. Un combat désarmé dans le noir, non mais... Mais on va se calmer, wesh. Oh, attends. Aïe. Ouais, c'est ça que je voulais faire justement. Hein. Oh là. Bien sûr. Bon. Ah mais... Oh bah ça va en fait. Y'a que deux golems. Enfin je suppose. Putain. Non mais calme-toi en fait. Oh. Oh putain. Ah oui mais attends. En même temps, faut pas s'étonner. Ah merde. Ah rip, ouais. On est bien, hein. En vrai, ça va. Ça va, il n'y a que deux golems. Là, je découvrais. Oui, je connais, merci. Je parle d'un cadeau. C'est fou comme tout est plus facile une fois qu'on est préparé. Vous trouvez pas? Ah oui, mais effectivement, l'arc sans flèche, je vais pas aller bien loin. Il y avait un arc, mais il avait pas de flèche. Hein. Très bien. Bah, il est où? Ah putain.
Déjà ? Bon, dis donc, Il était pas si ouf. Hein. Ok. Hop là. Voilà, si jamais on peut l'allumer. Oh oui. Tiens, je... Tiens, un coup de tamatraque. Voilà. Là, on est bien. Enfin, un live qui commence bien. On a de l'humour, c'est avant qu'il me fallait ça. Non mais le pire truc quoi, un combat des armées dans l'obscurité. Ça me fait donc 105 sanctuaires. Plus que... 49. 40... 7. 47. Bah pourquoi pas, hein. Pour plein de raisons, Edol, pour plein de raisons. Tiens, au passage... Non. On va en profiter pour voir ce que donne celui-là. J'ai vraiment fait ça. Oui, on a compris. Alors, qu'avons-nous? Des projecteurs, des batteries de rechange, projecteurs, batteries, tête de golem, batterie de rechange. En gros, je crois que j'ai pas tout. Ah si, lance-flamme, j'avais pas vu. Allez, allons-y. Si je me souviens bien, c'était une arnaque hein, de battre le record. Parce que là on a un maximum mais ensuite on a un record à battre. D'ailleurs j'aurais pu utiliser... Oh putain. La tenue adéquate. Effectivement. Oh, 23 secondes, ça va. Chose de chute libre. Et un grand orbe d'énergie sonore. Ah, j'ai peut-être battu le... J'ai battu le record dès le premier try. Hey! Ok. Et l'autre, il était... Attends, là, j'étais ici. J'étais ici. Celui-ci. Ah tiens, il y a encore une île étoile là-bas. Ça me perturbe, hein, ces îles. Je sais pas, on dirait que c'est important. Oh oui, ça va.
J'ai plus de trucs de rubis. Par contre, j'ai encore froid. Voilà. Oui, je vais où? Ah. Attends quoi? Est-ce que c'est... Ouais, je sais. On va voir, on va voir. On va commencer déjà par tenter ça. Oh, il y a des trucs de foudre, des 1 lance-laser. Tiens, il y a des trucs que je... Le ressort, j'ai jamais eu de ressort en... Ah ouais. Marrant. J'ai pas tout eu encore. Donc ouais, j'ai jamais eu de ressort en capsule. Et sinon... Ah, j'ai ça. Non, gouvernail, lance laser. Ressort. J'ai toujours pas eu le dernier. J'ai... Oh! Ah, il y a des verseurs. Ok. Maintenant, j'ai tout. Bon, bah, go. Je veux... Oui, alors, par contre... Parcours d'essai, tout ça. Je commence à connaître la chanson. Ça devrait aller. Je me demandais s'il y avait possibilité d'avoir quelque chose ici. L'épreuve de l'héroïsme. Les nuages. Oh putain. Hein? J'ai été distrait pour... Il y avait un truc de sanctuaire.
connerie de nuage hein, quand même. Bon, du coup, c'est pas une bénédiction, on est d'accord? Mais faut arrêter de se foutre de ma gueule au bout d'un moment, en fait. Ok, ça va, on se fout pas de ma gueule. Non, non, c'était bien, c'était bien. Pourquoi j'ai une balise de marquée? Qu'est-ce que j'ai voulu marquer avec cette balise? Je me souviens même plus. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tiens, d'ailleurs, je peux équiper autre chose. Je me souviens même plus du tout qu'est-ce que c'est. En 35 secondes, sachant que faut vraiment freiner à certains moments. Par contre, ça va, c'est pas random comme ça pouvait l'être tout à l'heure. Là, vraiment, les positions des trucs sont fixes. 25 secondes. Yes! Le record de 25 secondes, non, ça va. Vas-y, attends ma prochaine tentative, mec, attends. Par contre... Si, en fait, je veux bien que tu m'y amènes. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça va? Moi, je veux juste qu'il m'emmène là-haut, en fait. Ah. J'espérais, tu sais. Est-ce que ce serait par là le sanctuaire? Oui, c'est là. Tu as quitté le parcours. Reste où tu es, je vais venir te chercher, putain. Bâtard. C'est haut hein, quand même.
C'est toi qui est insupportable, le froid. Oui, Romain, oui. C'est ce que dit le jeu aussi, oui. Le froid est insupportable. Alors. Non mais regarde-moi ça, comment c'est haut. Compartiment des arcs est plein. Eh, hey, attends, voir. On va essayer un truc. Ok. Elle est pas mal, hein, ce... Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Ok. En vrai, pour l'instant, ça va. J'ai pas encore puisé dans ma batterie. Et coucou Chica, merci pour le joyeux anniversaire. Bien mémorisé dans le duplicata. On sait que c'est trop tard. Oups. Ah, j'ai buté. J'ai atterri sur un... Oh merde. J'ai atterri sur un poisson, j'allais dire, bien sûr. Une cigogne, là. Quel enfer. Fais une offrande, blablabla. Oui, je sais, faut ramener le cristal vert. C'est quoi cette île? C'est quoi cette énorme île? Blablabla. Eh, hey, des batteries, des miroirs, des lances glace. Ok, est-ce que j'ai tout? Non. Et non. Ah, il y a des planeurs. Ok, normalement c'est bon. Ok.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à se servir d'un miroir autrement que dans un... J'entends autrement que dans un truc, un sanctuaire qu'il demande. Je vois assez mal à quoi ça peut servir sinon... Ah, T-Max, trop bien. C'est cool. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste le sol. Ok. Alors on a un véhicule ici, c'est le même véhicule que tout à l'heure, non? Non. Je préférais l'autre. Jamais utilisé le miroir en dehors, on est d'accord que c'est chaud. Je vois mal à quoi ça peut servir en fait. Je sais pas si... Ah, on dirait qu'on peut rentrer dans l'île. Vous voyez, ça c'est des lianes, on doit pouvoir rentrer à l'intérieur. Bon. Peut-être pour... aveugler les ennemis avec. Ah, qui sait. Je suis moyennement sûr en vrai. Ah, j'espérais pouvoir hein. On s'est compris sur mes espoirs. Bon, par contre j'ai pas besoin de ça. Waouh. Pas sûr de ce que j'ai envie de faire. Hein. C'est quoi? Hop. Ah mais j'avais pas vu. Ah oui. On le garde, hein, sait-on jamais. Ah, bah non, en fait. Oups. C'est quoi ça? Ah. Encore au bout. Ah si. Alors, ça c'est des gousses. Quoique non, attends. On va quand même pas gâcher une flèche pour ça. Alors, on a ça, on a ça. On a des trucs pas mal. Ça fait un peu équilibriste, mais bon. Thank you.
Vous en faites pas, ça va bien se passer. Regardez, ça, ça rééquilibre. Et voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Une batterie de chaque côté. Tiens, on peut même... Allez, ça fera joli. D'accord, c'est bien que ça fasse joli, Caltaine, mais est-ce que ça marche? Ouais. Et évidemment, sinon ce serait un peu con. Vous êtes prêts? Ouais, bon. C'est clavé en hein. Bah, il y en a qu'on fait pire, hein. Oui, si tu veux. Bon, du coup, faut que ce soit symétrique. Symétrique. Bon. Bien sûr. On va y arriver, hein. Là. 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 Schtroumpf, là, là. Yes! Hop là, peut-être pas. Merde, non. C'était pas ça. Au revoir, Yunobo. Ce fut un plaisir. J'essaie de faire un bel atterrissage. Une autre fois. J'aimais bien la V1. Je testerai une fois où il n'y aura pas de mur derrière. Merci pour le GG, Yupa. Aïe aïe aïe. Ah! Guidé par la glace. Une épée avec de la glace. D'ailleurs, bouclier Lithoroc rare, Nox ou Nox. Rare. C'est pourquoi rare? Ah oui, rare, il est les gisements qu'il y a dessus sont des gisements dorés rares machin là. Ok.
Alors j'en conviens hein, que ça s'appelle Guidé par la glace. Mais qu'est-ce qui est guidé par la glace au juste ? Ah putain, il y a des trucs en dessous. Ok. Pas trop quoi faire avec ça. J'imagine qu'il faut faire glisser avec de la glace, mais c'est quoi qui doit toucher? C'est ça qui doit toucher la cible? J'imagine que oui. Ok. Hey! J'ai l'impression qu'il est guidé par la glace, quoi? C'est plutôt sympa à faire, alors là c'est tentant hein, par contre. Alors, on va tester comme ça, mais je pense pas que ce soit la bonne solution. À mon avis, il va peut-être falloir alourdir un peu la planche, en fait. Pardon. Ça m'a un peu surpris. J'imagine que ça va être deux... On en a 4 de disponibles, mais il n'y en a que 2 qui peuvent réapparaître en fait. On va pas se mentir, hein, ça donne envie de se mettre dessus quand même. Pas ouf, hein. Vas-y, on va essayer avec 4. Putain, ça fait des ça fait genre sandwich quoi. Quelqu'un a commandé un Whopper? Foutre, ok.
moi cette arnaque. Mais du coup, ouais, j'ai compris le truc. En fait, fallait juste épaissir pour que ça tombe pas dans le trou. En vrai, ça avance plutôt pas mal là. Juste, on fait que des sanctuaires du ciel là pour l'instant. Merci pour le GG, Ayupa. Alors. À présent, c'est quoi ça? Cette chose. Je me sens très d'humeur, j'explore le ciel ce soir. J'avais vu une île avec une forme un peu bizarre et j'ai peur que ce soit celle-ci. Elle a l'air assez particulière hein, quand même. Pas sûr d'avoir pris le meilleur bail. Oh. Ah bah oui. Effectivement, on a un truc ici. On a même des trucs bizarres ici. Oui, je dois ramener le cristal. Déjà, je vois, il y a un truc, un générateur. C'est quoi qui est en face là aussi? Alors. N'empêche, j'en ai dépensé pas mal, hein, des orbes. On voit des bombes, planeurs, canons. Ressort. C'est tout. Ok. Je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait sur cette île. Bah écoutez, ça a l'air un peu décevant. Et des fruits d'eau. Nice.
Ça va pas ou quoi, Link? T'as loupé le coffre. Y'a un coffre? On refait. Très bien. Je crois en avoir vu un. Ah bon, c'est des gisements. Ah oui non, d'accord. J'avais entendu un bruit. En fait, c'était le golem. J'en vois pas de coffre pour être honnête. Ah ! J'en vois pas de coffre pour être honnête. On tente, hein. Ah, fallait faire une plateforme. Ah. J'ai toujours des bonnes idées, mais la seconde, trop tard. Pourtant, franchement, je vous jure, je pensais avoir vu la bonne idée. Eh, c'est marrant la vie. Hein. Merde. Là, voilà. Je pense juste à un truc là. Ce machin. Faut pas genre. Tu vois. Non. Franchement, le prendre en photo, je m'en contre-tape.
Attends. Voilà. Soyons sûrs de nous. Pas de blague. Voilà. Ouf, c'était un joyeux anniversaire. Coucou Edel, ça va? Oui, apparemment, c'est bientôt mon anniversaire d'affiliation. Et ça va bien, je te remercie. En ce moment, là, écoute, on enchaîne les sanctuaires. Mais il y a cette île-là qu'on voit en bas à droite que j'aimerais bien... que j'aimerais bien essayer de visiter aussi. Elle a l'air importante. C'est-à-dire, encore ces sanctuaires, ça donne combien maintenant? Je crois que là, ça m'en fait 107. Si j'ai bien compté, donc il m'en reste encore 45 à faire, derrière. Après là, j'en avais pas fait beaucoup non plus dans les cieux. Dans les cieux, il y en a quand même 32. Remarque, est-ce que je peux pas? Il y a une cascade qui mène à cette île-là, qui est finalement pas très loin. Attends, on dirait que ça arrête de couler ici. Mais renfin, pourquoi? Là, je regarde vers... Ouais, vers la montagne. Mais disons que derrière, je vois pas trop d'autres façons qu'on pourrait... Parce que cette île, elle est vraiment haute, hein. Ah, ça alimente les ruines de... ici, ok. Je vais essayer. Pas sûr, hein. Il aurait peut-être mieux valu aller depuis l'autre tour. Et encore, je suis même pas sûr. Je reviens. Ok, à tout à you. On se prépare éventuellement. Pile-poil ce qu'il fallait pas faire. Ah
Ouais, la cascade. Hey, regardez, on a deux dragons côte à côte. Est-ce que c'est pas mignon? Voilà. Donc, bon, bah, la cascade, je vais me faire enfuler, hein? Là, normalement, on est bon. Hey! Est-ce qu'avec un peu de pot, je pourrais pas espérer atterrir directement sur cette île là-bas? Ah, ça me paraît compliqué quand même. Je vais quand même essayer ici, la petite avant, la petite île. D'accord, ce qu'on voit là derrière ensuite, c'est les îles célestes du prélude, hein. Ouais. Donc c'est au même niveau à peu près. On aurait pu essayer d'y aller avec l'île de la Renaissance ou je sais plus quoi là. Plutôt moins une. Ah non. Ah non, on va pas me faire ce coup-là. C'est trop. Ouais. C'était sympa. On va se le retenter. T'as pas une tenue pour monter la cascade? Si, si, je l'ai avec moi, mais en fait, elle ne doit marcher que quand tu es dans l'eau. Pas quand tu attrapes une cascade au vol, tu vois. Parce que là, la tenue Zora, je l'ai sur moi, en fait, hein.
Si j'optimise le mouvement, peut-être que ça devrait le faire. Parce qu'au départ, j'avais commencé à aller vers la grande île. Puis j'ai bifurqué. Non, je sais pas ce que c'est tout ce trajet là à côté. Bizarre ça. Mouais. J'ai connu plus sécure. Hein. Moi, j'ai fait pour plus mal m'en tirer encore. Hero Ayupa. Je crois qu'il va falloir que je cuisine un truc. Ou alors... j'ai essayé un truc. Et j'étais en mode, je pouvais pas rêver, mais normalement la tenue Zora te permet de capter une cascade même en l'air. Ah bah là en tout cas ça n'a pas... j'ai tourné autour hein, pourtant, mais... mais la tenue Zora, je l'ai là en fait. J'ai combien de Sonia? Ouais, je peux éventuellement aller. Pourtant, ok, j'ai pas compris alors. Plus que 7. Alors attends. On va utiliser des capsules. Eh ben. Et un gouverneur. Mais non. Un gouverneur, j'ai dit. Ça va, on a vu que maintenant ça me réussissait les constructions.
Et comme ça, ça, plus derrière, enfin, les deux batteries, plus ma batterie principale, plus ensuite ce que je pourrais faire en planeur. En planeur. En paravoile. J'ose espérer que ça aille. C'est des petites batteries, hein. Après, les batteries, j'ai l'impression que ça alourdit vachement nos... Quoi? Comment ça? Qu'est-ce donc ce que dire que ceci? Mon Link est juste gros. Mais si le, quand je voulais aller dans le comment ça s'appelle dans le dernier labyrinthe là, j'avais fait une machine avec plein de batteries et j'avançais à 2 à l'heure quoi. En vrai, je suis toujours à la recherche de ma dernière cinématique. Je me demande si jamais cette île ne pourrait pas être liée. Ne pourrait pas y être liée. C'est très racine. Donc à faire. Il y a clairement quelque chose de curieux avec cette île. Wow. Avec cette île. Peut-être qu'il faut aller à l'entrée de l'île. Oh! C'est pas un interrupteur, ça? Eh. 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 Qui est définitivement quelque chose de curieux avec cette île. Ah, ça va juste être pour un sanctuaire. Île de la raffinerie de Sonium. Ok. Donc là, ça va m'emmener tout en haut. Et en fait, il va sûrement falloir passer par le trou ensuite. Là où il y avait tous les lasers. Ouais, j'explore ça là-bas aussi. Voilà. Hop. Alors, hé. Oula. Oh non.
Ok. Mais non. Ah ouais, mais par contre, ils sont gentils, mais... Oh ! Comment j'ai fait ? Ah, il y avait longtemps. Un Ah ouais, par contre, on ne prend pratiquement pas de dégâts de chute, hein. Va y avoir bien plus chiant a priori. Oh putain. Attendez, va falloir la jouer fine là. Non. Tu veux pas me tourner le dos? Ha! Oh shit. Non mais ça suffit. Eh, j'en ai marre. Ah, arc. Ah oui, mais des arcs. Alors attends. Ça, ça peut faire une bonne arme de lancer. Là-haut. Ah. Voilà, oh putain.
C'est moi qui prends ça. Essayer d'attenter à mon... à moi. Par contre, le long bâton... Il est passé quelque part ou pas? Yes. Ça aussi, ça peut nous faire un javelot bien meurtrier. Essayer d'attenter à moi. C'est clair. Ah. Merde. Ah. Genre on m'a mis en cage quoi. Ah. Intéressant. Bah vous savez quoi? Je crois que le moment est choisi. Le moment est venu. Votre long gourdin explosif s'est brisé. Non. Bah mince alors. Il en reste un vénère, c'est ça? Putain. Ok, très bien. C'était nul. Ça y est, je sais plus jouer, on est d'accord. Ne tentons pas. Après d'un côté... Ah mais j'ai pas de bouclier. Ah si j'ai un bouclier. Amalgame est déjà utilisé sur... Ah non. Là. C'est une bonne idée. Ça pour faire ça. Hein. Ouh. Par contre, il reste un truc. Oh le. Ah bah tiens. Moi là j'aime bien. Dans le cul. Franchement ça a été plutôt bien ce sanctuaire là. Je trouve que c'est un des sanctuaires les plus intéressants qu'on ait fait en combat désarmé.
Link, faut vraiment qu'on parle. Sonium supérieur. Tiens, j'ai oublié de dire, mais merci à Stin Tagato aussi d'avoir follow entre les lives. Au passage. Il y a eu une belle série de follow récemment, ça fait plaisir. Merci à tous ces gens. 109. Si j'en fais encore 3 de plus. Eh bien, je serai à 112. Et du coup, ça voudra dire qu'il m'en reste plus que 40 précisément. Eh ben, remonter, c'est plus facile que descendre. Alors, voyons voir. Il y avait un truc quand même qui piquait ma curiosité. Et c'était ça là-bas. Est-ce qu'il y a un truc caché là-dedans? À part un Korogu. Ah non. Tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Ok. Eh ben c'est cool. Après il y a d'autres îles éventuellement qui seraient intéressantes de faire ici à tous les coups. Ça il va y avoir une vieille carte. Eh, parce que là j'y suis pas allé pour le coup dans cette île là. Mais oui, chose que je me demandais, est-ce que dans les profondeurs il y avait pas... J'avais pas débloqué une vieille carte. Non, j'ai dû aller la récupérer. J'ai dû aller la récupérer. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas. Ah, on a fait pas mal de choses hein, maintenant. Ah, il y avait un truc. C'était pas loin de ça, justement. Ah non, je le vois pas là. J'ai l'impression qu'il y avait comme une espèce de chemin de toute petite île qui... Mais non. Est-ce que j'essaie d'avoir ça? Je sais pas si c'est très intéressant, mais... Après, ouais, là, il y a des trucs à faire aussi. Et je ferai peut-être aussi des... Eh, il y a un truc qui me... Nignait, là, ici. Celle-ci, elle est juste au-dessus du fort du guet. De guet. Je vais voir un truc, c'est toi la vieille. What? Mais du coup, si jamais je fais tomber cette île, est-ce qu'on n'aura pas une petite idée
de ce à quoi ça sert, étant donné qu'on a des chercheurs sur place ensuite. Ah. Bah. Oula. Je vois rien. Alors, je suis peut-être pas assez haut, mais... Et si... On va plutôt aller sur les îles de Céleste du Prélude. Île Céleste du Prélude, normalement, c'est quand même parmi les îles les plus hautes, j'ai l'impression, de la map. Ah, je pourrais aller à partir de là-bas. Ouais, non, je pense que c'est quand même préférable d'y aller comme ça. Donc, le fort, il est là. Et je vois pas d'île. Bon, attends. Pas comprendre là. Je l'ai pas. On est d'accord que je l'ai pas déjà fait tomber. En tout cas, m'en souviens plus. Hop là, c'est pas... Là, je devrais être juste au-dessus ou juste en dessous. Ah bah si. À moins que... Attention, regarde les îles que j'ai faites. Genre, celle-ci, je... Je crois que j'en ai fait une par là. Et elle est déjà tombée. Bah oui, bah du coup, oui, la carte a pas... La carte ne s'update pas, en fait, si le terrain change. Link, tu pouvais pas mieux tomber. Parce que cette île aussi, elle vient de tomber.
Un texte en irulien ancien est gravé sur cette stèle tombée du ciel. Si je parviens à en déchiffrer le sens, je pourrais peut-être faire la lumière sur un pan de la civilisation de l'Irule ancienne. J'ai laissé des documents dont j'ai besoin pour traduire l'Irulien ancien au laboratoire du village de Cocorico. Je vais donc retourner là-bas et comparer ce texte à mes documents pour continuer à le déchiffrer. J'ai terminé de recopier ce texte, je vais retourner au village sans plus tarder. Si toi aussi ça t'intéresse pas de me voir au village de Cocorico, je devrais pouvoir te révéler le contenu que j'aurai traduit. Ce texte a une incroyable valeur archéologique, il fait le lien entre nous et les temps anciens. Je le déchiffrerai coûte que coûte. Sur ce, je devrais y aller. Bah ouais. Un message des temps anciens, ça fait partie des quêtes secondaires. Donc c'est quand même un truc qui est pas mal important. Que je fais au bout de 120 heures de jeu. Zelda Tears of the Kingdom dans toute sa splendeur. Je trouve que ce truc-là, de faire en fait des trucs qui étaient sous ton nez, mais de les remarquer qu'au bout de 100 heures de jeu, c'était très propre déjà à la base à Breath of the Wild, mais je trouve que ça s'accentue encore plus dans Tears of the Kingdom. Après, je sais pas, est-ce qu'il y aura un lien avec les vestiges circulaires? Après, les vestiges circulaires, j'ai une quête sur les vestiges circulaires ou pas? Ado de géant. Ah oui, le truc de cheval géant. L'aubergiste disparu. Je me souviens pas du tout. C'est bizarre quand même de ne pas avoir de quête secondaire ouverte pour les vestiges circulaires. Du coup, c'est vrai que la question que je me pose, c'est est-ce que il faut faire typiquement une quête, par exemple, au hasard, celle-ci, avant de pouvoir enquêter sur les vestiges circulaires. Yeah. Tiens, Link, tu es venu. J'ai cru que c'était un dessin de guillotine. C'est ta curiosité qui t'a... Oui. Tu es qui déjà? Tu es vraiment impayable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialisé en Irulien ancien que tu as rencontré au Fort de Gué. Est-ce que ceci t'intrigue, Link? Bah, un peu, ouais. C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au Fort de Gué. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en irulien ancien que j'avais entreposés ici au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Rauru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda, donc Mineru, souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Rauru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique, à la fin, qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Elle s'est vraiment fait chier, cette servante, hein, quand même. Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avons trouvés jusqu'ici. Ça y est, t'as trouvé ce NPC? Oui. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens, d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles. Cela veut dire qu'il y a en plus, il y a 12 stèles Sonao à retrouver. Si ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante royale, nous pouvons en apprendre beaucoup sur des événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé la trace. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Rauru à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant, 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? J'en ai photographié qu'une. Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit. J'en doute pas. À voir ta tête, j'ai l'impression que tu en as déjà trouvé d'autres, non? Regarde ça.
Sous la grande forêt d'Hyrule. Je vois ça, traduisons ça tout de suite. Oh, oh, mais c'est... une épopée historique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. Dans le bref laps de temps depuis sa création, le royaume d'Hyrule a déjà dû surmonter de multiples épreuves. La sœur aînée du roi Rauru, Dame Mineru, a dit qu'il ne faut pas laisser cela se reproduire dans un avenir lointain. Et d'après Dame Zelda, cet avenir est d'ores et déjà écrit. Un héros porteur d'espoir apparaîtra dans les cieux. Dame Zelda a prévu ce qu'il faut pour l'assister avec l'aide de Dame Mineru. Elles ont donné l'ordre de faire flotter dans le temple du temps, de faire flotter le temple du temps dans le ciel afin de le protéger des influences maléfiques. Cette mesure devrait contribuer à sauver le royaume dans l'avenir. J'ai demandé à Dame Mineru de faire en sorte que les stèles que j'avais gravées soient aussi en sécurité dans les cieux. Même incomplet, ces témoignages sur la famille royale qui a fondé ce royaume pourraient s'avérer utiles à la postérité. Oh, alors la sœur aînée du roi Rauru s'appelait Mineru. Voilà qui est fantastique! Je n'en saisis pas tous les détails, mais les prédictions de Mineru et Zelda ont été prises au sérieux par la suivante. Elle aura apporté son soutien et aurait demandé à Mineru un moyen de faire flotter dans le ciel des stèles de pierre. Ce sont les stèles que tu as retrouvées, Link. C'est véritablement fantastique. Tu as mis la main sur des informations qui nous dévoilent les pensées et les projets des gens de cette époque si lointaine. Et si mon interprétation est correcte, Zelda a collaboré avec Mineru pour faire flotter dans le ciel le temple du temps. Ce temple existait déjà depuis des temps très reculés et elles l'ont fait s'élever dans les ciels, dans les airs, pour aider un certain héros. Tout cela est incroyable! Pourtant, si l'on observe les cils célestes apparus depuis le cataclysme, cela ne paraît plus aussi impossible. Toutes ces nouvelles données m'ont tellement bouleversé que j'en tremble encore. Si je suis aussi ému rien qu'à la lecture de ce récit, je n'imagine même pas ce que la suivante a pu ressentir en assistant à cette scène en personne. Putain, il est bavard quand même. Je te remercie, Link, voici ta récompense. Oh. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si on en croit à la stèle que nous avons trouvée au Fort de Gay, il en reste encore 11. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages... blablabla, ok. Sur quel mur le mur vers Jacques Rocher. Je pense que je sais ce qu'on va faire la semaine prochaine sur Zelda. Jacques Rocher au mur du laboratoire, reviens la voir quand tu veux. Si tu trouves une des stèles récentes, fais-en une image et viens me la montrer. Elle a un numéro ou pas? Pour le héros. Non, c'est bon. Parce qu'après, j'en avais fait tomber une autre. Donc c'était sous la grande forêt d'Hyrule. Ah bah celle antique, c'est marqué maintenant. Ah. Oh, par contre, celle-ci, elle est pas marquée. J'en avais fait tomber une. Eh, il y en a une là. Et c'est vrai que cette... en fait, depuis le début du jeu, peut-être même, cette mission, elle est sous mon nez, en fait. Dans le chat, qui l'a faite vraiment dès le début, cette quête ? Ah oui. Est-ce que je suis le seul clampin? J'ai commencé assez tôt mais toujours pas fini. Ayupa l'a fait aussi, je l'avais dès le début mais je l'ai commencé que récemment. D'accord. Parce que moi du coup je l'ai commencé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je rappelle hein, 105 heures ou plus. C'est War of Mine que j'ai eu à 2 balles. Il est en réduction en ce moment, si jamais vous intéresse. Et Harvest Moon, je crois que je l'ai eu à 3 balles ou un truc comme ça. Edel l'a fait aussi dès le début.
Des fois, j'aime bien aller voir un petit peu sur la page des réductions sur l'eShop. Parce que c'est souvent qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Ah, celle-ci, elle ne tombe pas. Incroyable. Ok. Bon après, je pense que c'est bon. Là, on en avait une, mais elle est tombée. Ici. Ah, attends, non. Justement, là, on en a une. Je crois que celle-ci, je l'ai faite tomber. Je crois que celle-ci, justement, c'était l'autre que j'ai faite tomber et que j'avais pas prise en photo. Ouais, là, je comprends mieux aussi le truc de. Il me semble que. Quand. À un moment. Ah non. Je l'ai pas faite tomber. Ah bon. Donc oui, je disais, il me semble qu'à un moment, j'avais dit, je vais prendre en photo une stèle, on sait jamais. Et j'avais oublié, et je sais pas si c'était pas Chica qui m'avait fait, tu voulais pas prendre en photo la stèle, non? Et j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, effectivement, du coup, c'est important. Je comprends que tu me l'aies rappelé, si jamais c'était bien toi. En tout cas, il y a une personne qui me l'a rappelé. Ok. On a une ici. Après, c'est bien qu'elle se marque sur la map parce que sinon, si jamais tu fais pas tout d'un bloc, il y a moyen que tu te perdes après. La jauge d'énergie sonne à ouf. Alors normalement, c'est pas très loin. C'est un peu au nord. Ah! Houston! Petit problème ici. Je sais pas si ça va être assez, hein. D'après moi, non, clairement pas. Non. Je vais essayer autre chose. Je vais voir si là, sur cette île là-bas, il n'y a pas des trucs à faire. Oh, attends voir, j'ai peut-être une idée plus tôt. Je vais partir directement depuis le temple de l'eau. Et puis basta.
Quoi? Ah oui. Ouais, on la voit là, elle va être beaucoup plus accessible. Et en plus, là, pendant tout un truc, on a la gravité altérée. Oups. Ok. Après ça. Ouh là. Qu'est-ce qui m'arrive? On en a une là. Putain, il va avoir des trucs à nous en... Il va en avoir plutôt, je veux dire, des trucs à nous dire derrière. Alors, vers le sud... Sud-est. Pas mal ça, en plus j'en ai justement utilisé 3 tout à l'heure. Ah. Putain de nuage. Quelle heure 23h bientôt. Je vais essayer de non plus pas trop traîner parce que j'aimerais bien finir une nouvelle version courte de live ce soir. On essaie de rattraper le retard, je suis à 108 heures. Récente. Je sais pas comment j'arrive à être toujours dans le négatif, mais. Mais bon. En fait, faut que je réussisse à ne pas faire plus d'heures de stream que ce que j'arrive à monter derrière. C'est ça la clé. Ah, ici on a quelque chose. Après, je vais pas finir toute la... Je vais pas tout finir maintenant, évidemment.
Alors que ça se fait vite, hein, honnêtement, putain. Ah, c'était ce truc, c'était cette boule là, oui. Est-ce que... Ah non, c'est... trop... Tant pis, on va grimper. Compliqué de pas stream plus que... Bouf. Bah, compliqué non, faut juste... peut-être réduire un petit peu le nombre d'heures streamées. Et puis réussir à rester focus, surtout quand je monte. C'est ça aussi mon problème par moment. Mais en soi, pour te dire, bah là jusqu'à hier, j'étais à l'équilibre, quoi, concrètement. Ah si, c'est bon, elle est là. Ouais, bah en fait, là, jusqu'ici, bon, je compte pas du coup le stream de ce soir. Mais jusqu'ici, j'avais streamé quoi, 4 heures? Un truc comme ça. Et j'ai sorti la vidéo du coup qui est sortie aujourd'hui, et c'était une VOD de 4 heures justement, donc... Là, typiquement, j'étais... Ça va, c'était à l'équilibre. Là, on en est à quoi? On en a 2 heures de stream, 2 heures de VOD à cut. En une soirée, franchement, c'est faisable. Donc, voilà. Ah! Je suis pas sûr. Je veux prendre cette photo! Il y a un abîme ou pas? Non! Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros il m'en reste plus que 5 je crois. En vrai j'aime bien cette... Bah là il y en a une. Donc oui je disais, en vrai j'aime bien cette, cette quête.
Ça se trouve, on va réussir à la finir ce soir. Après, je crois que ce sont les quêtes principales qui donnent les cinématiques. Donc cette mission, je ne pense pas qu'elle donnera la cinématique que je cherche. Après, si ça se trouve, ce sera débloqué dans le château ou un truc comme ça. Oh bah tiens. Alors, il fait chaud. Il fait encore chaud. Merde. Ensuite. Pas l'impression qu'il y en ait par là. Il y en a une ici. Une ici, on peut essayer de voir les autres. Il y en a une là. Et il y en a une là. Je crois qu'on les a toutes, hein. Bonne nuit les gens, bonne nuit Chica, merci d'être passé. Tiens, j'ai oublié de prendre le sanctuaire. Bon, c'est pas comme s'il était très caché. Mais ouais, là j'essaie de terminer cette quête vitef, hein. Enfin, vitef. Bon, j'allais dire sans essayer de la rush non plus. Bon, en réalité, ça ressemble un petit peu à du rush quand même, ce que je fais. Mais je vais à mon rythme, et là, pour le coup, le rythme est plutôt rapide. On est d'accord que c'est bien au sud, hein. Ouais. Et sur la carte, elle était sombre, l'île. Ça doit vouloir dire... Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit vouloir dire qu'elle est assez basse. Oui, elle est vraiment sombre. Ah si, je le vois. J'ai envie de faire un détour par cette île qui m'intrigue un peu. Donc je suis là. Ouais, une espèce de bâtiment bizarre. Merde. Bon, c'est pas grave. Quel est ce bâtiment? Bon, ça déjà, ça sent le Korogu à plein nez. Et ah! Et où est-ce qu'il va être le sanctuaire?
Une autre fois. Je mets juste... hop. Il est où le bâtiment? Voilà, il est là. Alors, ça doit être par là-bas. Attends, on voit rien. Ah putain, elle est là. Bien fait de pas trop tomber, dis donc. Ensuite, nous disions celle-ci. Celle-ci, par contre, au contraire, elle a l'air plutôt haute. Ah bah attends. Il y a une tour juste à côté. On va se faire chier, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je fais face peut-être à Cocorico et les vestiges. Ouais, c'est ça. J'ai eu un espèce d'anneau, je sais pas ce que c'était. Oh putain, elle est là. Alors, j'ai bien ma tenue Zorad équipée. Oh! Oui, ça a marché! Ouais, ça. J'ai pas réussi tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai peut-être pas rentré assez dans le truc. Ok. Ça a l'air d'être très au fond. Très au fond d'un gouffre, donc ça doit pas être très compliqué à. À choper. Ah! Attends, mais... Va falloir se calmer, là. On va essayer peut-être avec un propulseur. Ah ouais, mais... Bon.
J'ai des plateformes aussi. Ouais. On va essayer autrement. Rien qui m'intéresse, c'est triste. Ah. Mais... Allez, tu peux le faire, Link. Oh. Oh putain, tout ça pour que ça tombe, quoi. Le prendre, en prendre un et le stream. Bah pourquoi pas. Alors, il en manque encore deux, je crois. À moins qu'il me manque ça. Je les ai tous eus, sinon Il n'y a rien qui m'intéresse. Ah mais je croyais que... Je croyais justement que le Amazing Coloring Book ça t'intéressait justement. Autant pour moi. Ouais mais là c'est pareil, lui il est haut. Elle. L'île. En stream, ce soit super intéressant. Ça, y a des gens qui trouveront ça intéressant. Hein. Enfin, justement, en fait, le truc de coloriage, c'est des trucs qui sont super chill. Donc, y en a qui trouveront, hein, t'inquiète pas. Comment on fait pour couper les chaînes ici? On peut couper les chaînes? Parce que moi je veux bien la prendre du coup la montgolfière.
que je crois que c'est cette île là-bas. Décapolis, ah. Maybe one day. Hein? Moi, je veux bien prendre la. Ouais, mais en fait, même, il n'y a pas d'emprise possible. Bon. Est-ce qu'on peut. Le glisseur, par exemple. Hop. Et une montgolfière. On est d'accord que c'est safe. Ah putain, il faut trouver les fagots de bois maintenant. Ah, ils sont ciao les nazes. Ouais, bon, j'avoue que je l'ai faite un peu petite, hein, la montgolfière, mais bon. On va pas de blague. Simulator. Hein? Donc ça c'est pour toi, c'est ça? Si j'ai bien compris. J'espère que la montgolfière va tenir hein, quand même, parce qu'il reste un peu de chemin à faire là. On n'est pas allé très loin. Le problème, c'est que les tours sont relativement loin. Après, il y a toujours celle-ci qui est très en hauteur pour le coup. J'ai même pas atteint la hauteur de la tour, quoi. Bon, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais j'ai trouvé ça drôle. Alors. Ah, c'est par là.
En vrai. Il y a moyen d'y arriver comme ça, je pense. On la voit d'ici. Non, c'est une île. Enfin, c'est une île normale, quoi, pas céleste. Ah, elle est là! Ok, je pense que pour l'instant j'ai un peu de marge. Là, j'ai fait un peu plus de la moitié. J'ai consommé un peu plus de ma barre d'endurance. Mais je pourrais lâcher la paravoile pendant une ou deux secondes pour économiser un peu. Genre comme ça. Vu que j'ai un peu de marge. Hop. Histoire que Babil se recharge un petit peu plus. Si ça peut me permettre de faire de lancer un Babil supplémentaire. Je prends. Faut vraiment arrêter hein, de me faire tomber, de m'emmener au plus haut de manière ultra chiante pour juste me faire tomber derrière. Alors, où est-ce qu'on en est des stèles? Il m'en restait 11 à trouver. Et là, je crois que j'en ai 10. Il m'en manque plus qu'une, ça me frustre. C'est laquelle qui me manque? Il me semble que j'avais fait le décompte tout à l'heure et j'avais trouvé en fait. Une ici. Une ici. Une ici. Et une je sais plus où. Celle-là, je l'ai eue. Ah, celle-là! C'est bien possible, hein. Ah, ça me dit rien, ça. Et je suis pas du tout allé sur les îles aux environs. Nettoyer la vase. Oh oh. Alors, qu'est-ce que c'est que cette île encore? On verra ça une autre fois. Hein. Là, pour l'instant, je me concentre sur ça. Alors, on la voit d'ici, par contre, je vais être un peu short niveau altitude, je pense. Carrément être juste niveau altitude. Oh là. Allez. Ouh.
Bah écoute. Ah oui, d'accord, donc je peux pas du tout. Ok. Ok. Alors. Mais non. Voilà, pareil, sanctuaire plus tard. Hein. Une autre fois. Non, hop. D'accord, que de toute façon on peut pas le faire. Il y a juste les serpents, voilà. J'aurais deux jeux qui m'intéressent, un qu'en anglais et l'autre a l'air d'être en français. Ah. Quoi donc hein? C'est où? Là, ça m'a pas l'air mal. Je attends, mais je sais pas où est le l'île. Je vais aller voir. Lost Tales et Lost Epic. Ok. Ah putain, elle est là. Je vais prendre le tremplin là. Parce que ça va me faire prendre de la hauteur, l'air de rien. Et je crois que c'est la dernière. Du coup, on aura fini en deux le truc. Un terrain, c'est pas un royaume canin contre un royaume félin. Ah. Ah, ça me fait un peu penser à Solator au bout. Ah, RPG en 2D. Intéressant. Oh, celle-ci, elle reste tranquille. Impeccable. Bon, par contre, l'autre, il va parler pendant 3/4 d'heure. Hein. Ça, faut s'y attendre. Ah, ouais, Coco, Rico, ils sont là. Hop. À un moment, j'aimerais bien aussi continuer les RPG que j'avais commencé en Nintendo. Je pense notamment, j'avais Cthulhu Saves Christmas, que j'avais bien aimé. Et il y avait As Divine Cross. On avait commencé, mais je pense qu'en un live, on n'a pas pu voir vraiment... Ce que ça pouvait donner en fait. J'ai trouvé 2-3 stèles en plus. Ça veut dire qu'il va me donner 1100 rubis, on est d'accord. Hein. Tu en as une? Ouais, une. Alors. Un authentique texte épique d'Hyrule. Le roi Raoulou charme mes oreilles par ses chants, sa sœur aînée charme mes yeux avec ses danses, et les regards pleins de bonté que Dame Sonia accorde à chacun charment mon cœur.
Être au service de la famille royale remplit mes journées, mais le bonheur que j'en tire est indescriptible. Que cette famille que j'aime et respecte tant de puisse se perpétuer pour toujours. C'est une scène de fête qui nous est décrite. Le roi Raoul et sa sœur aînée chantaient et dansaient sous le regard de la reine Sonia. C'est formidable, cette présentation du quotidien de la famille royale à l'époque. Même les plus nobles s'adonnaient au chant et à la danse. Quelle émotion de voir dépeinte de façon si vivante une scène si ancienne et totalement ignorée des livres d'histoire. C'est comme si les personnalités et les expressions des gens de l'époque renaissaient par-delà les âges. Cette stèle est vraiment un document inestimable. Nous pouvons être reconnaissants de ce témoignage. Qu'un récit d'un passé lointain traverse ainsi le temps pour arriver jusqu'à nous, quelle émotion. Yay! La moula! Il en reste encore 10, oui. Regarde ça. Je vais traduire ça. Texte épique d'Hyrule, c'est parti. Le roi Raoul, malgré son courage et sa sagesse incroyable, délaissait parfois les affaires royales pour aller chasser. C'est souvent Dame Sonia qui, avec sa grande sagacité, s'en apercevait et venait alors le rappeler à ses devoirs. Capable de percer à jour les actions du roi Raoru, elle le jaugeait avec majesté et le roi fautif avait l'air d'un noble sujet. Il était touchant de le voir ainsi, souriant d'un air gêné sous le regard de sa reine qui le réprimandait en souriant aussi. C'est ce qui est écrit, parfaitement incroyable. Visiblement, il arrivait au roi Raoru de négliger parfois les affaires de la cour pour partir à la chasse. Je me l'imaginais comme un souverain sérieux et strict, mais on dirait qu'en fait, il lui arrivait aussi de chercher à s'amuser, et c'est la reine Sonia qui faisait preuve d'autorité pour retenir le roi Raoru et le rappeler à ses obligations. Je pense que cela a parfois dû faire plus ou moins scandale, mais tout cela est écrit avec humour et bienveillance. Ces personnages historiques avaient l'air de mener une vie bien plus libre qu'on ne l'imaginerait pour une famille royale. Il faut vraiment croire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'époque. Quel récit très intéressant. Les écrits ordinaires ne font jamais mention de la personnalité des souverains. Voilà encore un document très précieux, je te remercie Link, voici ta récompense. Encore 9. Alors... celui de l'archipel céleste des bras Est. Donc pas très loin labyrinthe, je pense. Un soir où le roi rentrait tard, Dame Sonia me conta l'histoire des sanctuaires nimbés de lumière verte. Pendant un temps, après la fondation du royaume d'Hyrule, il apparaissait souvent des monstres aux quatre coins du pays. Inquiet de cette menace constante sur la vie des gens, le roi et la reine partirent en campagne pour les éliminer. Grâce au pouvoir de la lumière et du temps, ils parvinrent à conjurer le danger. Pour qu'ils ne réapparaissent pas, ils bâtirent des sanctuaires où scellaient le mal, les sanctuaires purificateurs. Je remercie encore leur majesté et pour les efforts accomplis quand j'étais enfant, ainsi nous vivons en paix aujourd'hui. Ce passage nous décrit les actions du roi Raoru et de la reine Sonia peu après la fondation du royaume d'Hyrule. Soucieux de la sécurité de la population, ils auraient mené une campagne pour éliminer eux-mêmes les monstres du pays. En fait, ils paraphrasent juste derrière. Pour que ceux-ci ne réapparaissent pas, ils édifiaient les lieux appelés sanctuaires purificateurs où ils scellaient le mal. Ce texte évoque également les pouvoirs de la lumière et du temps. Ils avaient tous les deux des pouvoirs spéciaux. C'est un fait historique et nous tous qui vivons aujourd'hui devrions leur être reconnaissants. Encore une découverte capitale. Tiens, accepte ceci avec tous mes remerciements. J'accepte. Encore 8. J'en ai tellement. Ciel de l'ouest de Nekluda. Notre texte épique d'Hyrule. La sœur aînée du roi, Dame Mineru, est si absorbée par ses recherches qu'elle en oublie de manger et de dormir. Je me fais du souci pour elle, mais je ne vois hélas aucune solution et j'ai fini par lui en parler. Dame Mineru m'a dit fabriquer un golem particulier qui lui permettrait d'exister lorsqu'elle n'aurait plus de corps. Elle a ajouté que son âme pourrait tout à fait prendre possession du golem à la place de son enveloppe physique. J'avoue ne pas avoir réussi à y croire. Cette inscription... Comment te dire?
Cette inscription semble consacrée à Mineru et elle était si absorbée par la fabrication d'une chose appelée golem qu'elle en oubliait de manger et de dormir. Ses recherches visaient apparemment à permettre son âme de revenir à la vie après la perte de son corps. Une âme décharnée prenant possession d'un objet. À bien y réfléchir, on croirait presque une histoire d'occultisme. Mais qui sait... quoique, quand on est en ville, on n'a pas le golem non plus, hein, c'est comme les avatars. Mais qui sait, peut-être maîtrisait-il à l'époque de mystérieux pouvoirs ancestraux dont nous ignorons tout ? Le fait que Mineru était une chercheuse me touche énormément, en même temps, la tendresse qu'éprouvait envers elle, la suivante qui a rédigé ce texte, me fait chaud au cœur. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Merci. Plus que 7. Celle du désert, c'est parti. Ça ne fait aucun doute, texte épique des rues, machin. Il fait ce matin un temps magnifique et j'ai audience avec une demoiselle de la famille royale. Il s'agirait d'une parente éloignée de la reine, Dame Sonia, qui porte un très beau nom, Zelda. Son arrivée soudaine à la cour et sa tenue si différente des nôtres lui ont valu la méfiance de bien des gens. Quiconque a vu ses manières, sa beauté, son élégance ne peut toutefois douter de sa parenté avec Dame Sonia. Dame Zelda résidant au château pour le moment, je crois qu'il s'y irait que je me présente à elle en tant que suivante. Voilà qui est tout à fait fascinant. Si ma traduction est correcte, cette Zelda serait une lointaine parente de Sonia. Apparemment, elle était une demoiselle royale de toute beauté, pardon, arrivée un beau jour en Hyrule d'un autre royaume. Il est même dit qu'en raison de la tenue étrange qu'elle portait, les gens étaient au départ surpris et se méfiaient d'elle. Mais il émanait de sa personne une telle noblesse que tout le monde a reconnu bien vite son indéniable stature royale. Incroyable, fantastique. Normalement, il est impossible de connaître des événements anciens avec tant de détails. C'est une vraie perle rare pour un archéologue spécialisé en héruliens anciens. Et les sentiments de la rédactrice envers cette Zelda sont très clairs. Elle s'est tout de suite proposée pour être sa suivante pendant son séjour. Elle devait vraiment l'admirer. Je prends l'argent. Plus que 6, je crois. Est de Necluda. Il en a toujours affiché qu'un. Ces derniers temps, Dame Zelda rend souvent visite à Dame Mineru, la sœur aînée du roi. En tant que suivante, je l'accompagne toujours. Aujourd'hui, Dame Mineru a présenté à Dame Zelda un immense golem. Elle lui a également dit avoir mis au point un mécanisme permettant à des personnes de monter dessus. Dame Zelda a aussitôt voulu essayer et je le lui ai vivement déconseillé car cela me semblait incroyablement risqué. Elle a néanmoins enfourché la tête du golem sans souci et l'a piloté avec une aisance déconcertante. Elle est vraiment une personne digne de la plus grande admiration. Et bien voilà un récit qui fourmille de détails intéressants. Zelda aurait donc souvent rendu visite à Mineru pour l'aider dans ses recherches. J'ai du mal, en même temps, la Zelda de Breath of the Wild Tears of the Kingdom, c'est quand même plus une érudite à la base, en soi. J'ai du mal à représenter ce que peut être un golem sur lequel on peut monter, mais Zelda semble l'avoir chevauché avec tant de succès qu'elle a une fois de plus suscité l'admiration de sa suivante. D'ailleurs, la relation entre les deux jeunes personnes est intéressante à plus d'un titre. Zelda est montée sur le golem alors même que sa suivante, qui trouvait cela trop risqué, cherchait à l'en dissuader. Ce récit regorge d'informations qui nous éclairent sur la personnalité qu'avait la Zelda de cette époque. Et on peut également imaginer avec plus acuité les prodigieuses capacités des technologies d'alors. Ces stèles de pierre sont de fantastiques trésors d'informations qui reflètent aussi les sentiments de ceux qui y sont décrits. Ouais. J'en ai plein encore. Mère de Necluda. Alors, la grande mode actuellement, ce sont des vêtements réalisés dans une étoffe décorée de champignons. What? Et c'est pas genre la mode actuelle? C'est un artisan venu récemment coudre des habits pour Dame Zelda au château qui est à l'origine de ce motif. Dame Zelda a longuement discuté avec lui du style de vêtements en vogue dans son pays. Elle a décrit des tenues aux couleurs vives et décorées de pieds en cape de motifs de champignons.
Le tailleur, fasciné par l'idée, s'en est inspiré lorsqu'il a mis ses créations en vente. Elles ont eu un grand succès. Je voulais un de ces vêtements, moi aussi, mais je n'ai malheureusement pas réussi à m'en procurer un. Je vois, voilà un récit qui nous décrit la mode vestimentaire de l'époque. Zelda aurait discuté avec un tailleur de vêtements du motif de champignons en vogue dans son pays d'origine. Il semble que l'artisan intéressé aurait copié l'idée, créé une ligne de vêtements et rencontré un énorme succès. Goutier, du village des Limites, serait certainement ébahi si elle découvrait cette anecdote. On dit souvent que la mode est un éternel recommencement, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était à ce point. C'est incroyable de découvrir que les motifs de champignons ont déjà connu un tel succès il y a si longtemps. Et tu as remarqué les derniers mots de la suivante ? Son intérêt pour la mode révèle qu'elle demeurait, par certains aspects, une jeune femme ordinaire. Je te remercie, Link. Yes ! Il m'en reste 4 encore. Tex épique d'Hyrule. Donc, une rumeur prétend qu'une étrange femme apparaît chaque nuit au château et certains disent l'avoir aperçue. D'après eux, elle aurait l'apparence de Dame Zelda, mais des yeux sans aucun éclat et le regard vide d'une morte. Dame Zelda a affirmé n'avoir aucun souvenir de telle rencontre. S'agirait-il d'un esprit maléfique ou d'un monstre ? Tout cela est captivant, mais mon imagination s'emballe et m'effraie au point d'avoir du mal à dormir la nuit. Nous avons droit cette fois-ci à une très ancienne histoire de fantômes. Il y a des tas d'éléments que je n'arrive pas à bien déchiffrer, mais la teneur générale du récit reste évidente. On y parle d'une femme fantomatique qui apparaissait chaque nuit et présentait une ressemblance frappante avec Zelda. Quelle que soit l'époque, les récits de ce genre ont toujours eu tendance à se répandre à une grande vitesse. D'ailleurs, si l'on en croit les journaux, notre Zelda, à nous, aurait été aperçue ici et là alors même qu'elle a disparu. S'agirait-il également d'un fantôme ? En tant qu'archéologue, je me dois d'être rationnel, oublie ce que je viens de dire. Récompense. On en a plus que 3. On le régale là, hein, c'est bon. Texte épique d'Hyrule. Eh ? Ah ouais. Ah, pourquoi pas. Donc, ça ne fait aucun doute, nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule, blablabla. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. J'ai assisté au formidable spectacle du temple du temps s'élevant dans le ciel avec la terre qui l'entoure. Dame Zelda m'a dit espérer que, dans un avenir lointain, un héros y apparaîtrait pour sauver le royaume d'Hyrule. Afin d'aider moi aussi ce héros, j'ai gravé mon journal sur les stèles de pierre qui flottent dans le ciel. Elles m'ont été remises par Dame Minerou, la sœur aînée du roi. Qu'un jour, elles arrivent jusqu'au héros. Ça alors, j'en ai la tête qui tourne. Quelle formidable découverte ! Nous avons ici le récit du jour exact où le temple du temps s'est élevé pour flotter dans le ciel. C'est un document extraordinaire qui révolutionne l'histoire d'Hyrule. Ce récit nous montre que même à cette époque, où de bien étranges pouvoirs semblaient pourtant exister, le fait de faire flotter dans les airs des terres et des bâtiments restait malgré tout un exploit extraordinaire. Zelda avait prédit qu'un héros apparaîtrait dans un avenir lointain sur les terres célestes et qu'il sauverait Hyrule. La suivante, convaincue par ses paroles, se mit en tête d'aider le héros en gravant toute cette histoire sur des stèles. Il semble que les stèles en question aient été créées par Minerou qui les aurait ensuite fait flotter dans le ciel. Oh, je suis tellement secoué que mes mains, mes jambes, tout mon corps tremble. Récompense ! Blablabla. Il en reste encore 2. Bien, je vais traduire ça. Texte épique d'Hyrule. Raoru, le roi d'Hyrule, sa sœur aînée, Dame Minerou, la reine Sonia et Dame Zelda, tous ces gens que j'ai tant aimés ne sont plus. Je suis là toute seule à graver mes mots sur cette stèle. J'ai consigné la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Mon œuvre pour la postérité s'arrête ici. Quand je pense à ce que ces gens que j'ai aimés ont laissé derrière eux, toutes ces choses visibles ou invisibles, leur contribution à l'avenir ravive en moi une petite lueur d'espoir. Mes actions n'égaleront jamais celles de Dame Zelda. Que puis-je faire quelque chose pour mon peuple ? Je crois que le but de mon existence sera désormais de trouver une réponse à cette question.
C'est ici que semble se conclure le journal de la suivante. Apparemment, les membres de la famille royale qu'elle avait servi avec tant de dévotion ont disparu. On ressent beaucoup d'émotion à la lecture de ces lignes, un sentiment de déchirement. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de dire exactement ce qu'il s'est passé à cette période, mais si nous poursuivons nos recherches, peut-être réussirons-nous à lever le voile sur ce mystère. J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Et du coup, si c'est la fin du journal, c'est quoi la dernière stèle ? Ah. Ah. Je la crois, reviens la voir quand tu veux. Oui, d'accord, mais il reste encore une stèle, mon gars. Il en reste encore une. Hein? Je l'ai... Il m'en manque encore une. Non. J'ai pas fait tout ça pour qu'il m'en reste encore une que j'ai pas faite. Oh. J'ai peur qu'il y en ait une là-dedans. Apparemment, j'ai un peu mal compté. Oh ! On a eu là. Je l'ai eu celle-là. Quand même pas parti sans... Je suis quand même pas parti sans la prendre en photo. Si? Quand même, j'ai pas été con à ce point. Ah, t'en vois. Ah oui. J'étais pas parti dans ce sens-là. J'étais parti dans l'autre sens. Donc, c'est pas la même... Ah oui, mais... Voilà. C'est pas la même stèle à laquelle je suis en train de penser... Ok, là on est bon. La celle que je vise, elle est assez basse. Et vous voyez ça, tout ce chemin qu'il y a là-bas. Ah putain, c'est peut-être l'orage qui a pas chargé. Ouais, c'est peut-être ça. Oh putain, elle est là. Évidemment. Voilà. La dernière. Oh putain, il me restait plus qu'une place sur le... là. Sur l'album. Va falloir que je vide mes photos.
Moi, je suis content d'avoir pu faire ça. J'ai pu terminer ça. Merci pour le GG, Dol. Alors, voyons voir. Texte épique d'Hyrule. La royale épouse du souverain d'Hyrule, Dame Sonia, est une prêtresse ilienne originaire de cette terre. Dame Sonia n'hésite pas à donner son avis au roi des Sonao dans bien des domaines. Il est touchant de voir le roi écouter la tête penchée les sages conseils d'une personne originaire de cette terre. Oh, ce texte-ci semble donc consacré à la reine Sonia. Apparemment, elle était une prêtresse avant d'épouser Rauru. Elle lui donnait des conseils sans aucune timidité, et notre source dit même que Rauru lui prêtait une oreille attentive. Le roi était pourtant un Sonao, et les Sonao étaient à l'époque pratiquement considérés comme des dieux. C'est fantastique! Cette description permet de mieux saisir les rapports entre la reine Sonia et le roi Rauru, ainsi que leur personnalité. Rauru semble être tombé sous le charme de Sonia avec son caractère volontaire et n'a pas tardé à l'épouser. Enfin, ce n'est là que pure spéculation de ma part, mais tout cela est absolument fascinant. Les descriptions de la reine avant son mariage sont rares. Je ne peux donc m'empêcher d'extrapoler. Bien, comme précis, voici ta récompense. Voilà, attends, c'était la dernière stèle? On a toutes les 13! Je n'arrive pas à y croire. J'ai enfin terminé la traduction de toute cette épopée. Je suis parcouru par tant d'émotions. Après avoir lu tout cela, j'ai dépassé mon rôle d'archéologue et j'éprouve une grande admiration pour la suivante. Si nous avions vécu à la même époque, j'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Et sans ton aide, Link, je n'aurais jamais pu rassembler les textes des 13 stèles. Je te remets cette étoffe qui témoigne que tu es à présent membre du groupe d'archéologie. Enfin, membre honoraire. D'accord. C'est tout. Ligne de toute ma vie d'archéologue, mon cœur n'a jamais battu aussi fort qu'aujourd'hui. J'ai consacré tous ces précieux documents et leurs images sont réunis sur les murs du laboratoire. Quelle émotion indescriptible! Oh. Toutes les images sont accrochées au mur du laboratoire. Reviens les voir quand tu veux. Traduire les textes qui ont été découverts m'a apporté quelque chose de très important. Cette épopée que la suivante a laissée à la postérité, j'en ai non seulement reçu les mots, mais aussi les sentiments. Je vais continuer à étudier les textes en hyrulien ancien, et j'espère pouvoir laisser de tels sentiments au monde. Link, je te remercie pour ton aide. Après, tu me diras, il m'a donné des rubis aussi. Bon, par contre, du coup, pas grand-chose... Rien de nouveau par contre concernant les autres trucs. Ok, bon, tant pis. Mais bon, on a quand même... C'est quand même cool d'avoir réussi à finir cette quête aussi rapidement. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci YouTube d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner pour pas louper les VOD suivantes. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont en description. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao !